Bonjour à tous, je suis Judith de Chesed Naomi. Nous nous trouvons actuellement dans l'entrepôt de Bnei Brak et je vais vous montrer ce que contiennent les colis alimentaires qui sont actuellement remplis pour les familles nécessiteuses, pour les personnes âgées, pour les rescapés de la Shoah et aussi pour les soldats. Alors, tous nos colis contiennent du sucre, de la farine, pour les familles bien entendu qui ont des enfants en bas âge, des céréales pour bébés, du lait maternisé. Alors nous avons aussi ici des pâtes, sous différentes formes, également des bambas, le snack préféré des Israéliens, des biscuits, des bretzels, et bien sûr du couscous, et plusieurs sortes de légumes secs. Donc là vous pouvez voir des lentilles oranges, du bourgoule, des pois chiches, des haricots, des pois cassés. Du riz, bien entendu, des céréales pour le petit déjeuner, pour le grand bonheur des enfants. Mais ce n'est pas fini. Nous avons ici de la confiture, de la pâte à tartiner, du jus de raisin pour le kiddush, important. Et également ici toute une variété de boîtes de conserve. Donc nous avons du maïs, nous avons du concentré de tomates, nous avons des cornichons, des olives, des boîtes de thon et également de la salade de fruits. Ici, dans chaque carton, bien sûr, bouteilles d'huile qui sont indispensables à la cuisine et de la Trina. Tous ces cartons sont distribués très régulièrement aux familles, aux personnes âgées, aux rescapés de la Shoah. Il faut que vous sachiez que tout ce que nous avons ici est acheté par les dons, grâce aux donateurs. Et nous remercions maintenant une nouvelle fois nos donateurs. Si vous voulez faire un don, vous pouvez rentrer sur le site de Guyoussim, guyoussim.fr, et vous associer à tous nos projets pour que nous puissions continuer à acheter de la marchandise, à nourrir les familles, à faire reculer la pauvreté en Israël. Merci beaucoup à tous.